Hey, salut à tous, c'est Giro, et comme vous pouvez le voir, je suis sur Starbound. En effet, je suis sur Starbound parce que récemment est sortie une nouvelle mise à jour avec le fait de pouvoir chasser, faire de la chasse de primes, je sais pas si ça se dit. Donc on va reprendre Franklin, et Franklin va devenir chasseur de primes sur quelques épisodes. On va juste faire voir à peu près ce qu'on peut faire. Normalement, je suis dans la bonne version. Le problème, c'est que je sais pas. Pas vraiment où est-ce qu'on voit le numéro de la version. J'ai cherché un peu partout. Écoutez. Hop, fermons l'inventaire. J'espère qu'au niveau de la vidéo, ça ira. Hop, beam up. Car je tente un truc pour record, mais il me semble que ça avait déjà fait ses preuve, mais en manière négative, je sais plus. Bref, on va aller vite fait sur le loot post et on va bien voir ce qu'on y trouve. Un panneau d'affiche, un affichage. Je ne sais rien sur cette mise à jour, vraiment. Je sais même pas si elle est installée. Normalement, elle devrait être installée. J'ai vu qu'elle est sortie le 7 août, donc elle devrait être installée. Ah. On a une quête là-haut. C'est pas tous les jours qu'on en a. Salut. Les souffles du vent m'ont dit ce que tu as fait. Blablabla. Il peut m'échanger des clés. Si tu souhaites ouvrir l'ancienne porte au niveau des étoiles. Ok. D'accord, je vois, je vois, je vois. Super. Ah, mais main quest. Ah oui, non, mais ça, alors... Putain, on a même de quoi s'occuper. Oh, là! Ça ressemble à une affiche de recherche. My partner in crime fighting. If you think you have... Si tu penses que tu as ce qu'il faut... Rejoins-moi dans mon astéroïde base. Ok. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a de nouveau? On va voir ce qu'il y a en bas. Qu'est-ce que tu vends toi déjà? Ouais, de la merde. Là, il y a le laboratoire de Dexter. Et là, il y a la cave. Cave à vin. Bah écoutez, on va faire une petite ellipse déjà pour voir si tout va bien au niveau de l'enregistrement. Parce que je veux bien avouer que j'ai un peu peur. Et après, j'ai pas de grappin. Ah, j'ai des cordes, c'est pareil. Oui. Bref, petite ellipse, pendant ce temps, je reste accroché au plafond. A tout de suite. Bon, ok, j'avoue, j'ai triché. Je suis pas resté accroché au plafond parce que tout simplement, mon personnage avait faim, du coup j'ai dû aller acheter du chocolat et j'aurais certainement pas assez de bouffe pour la suite. On va faire un tout petit tour sur la base à l'Empire du Feu. Histoire de parler, je ne sais pas. Après, il n'y a pas de chat, on n'est pas en live. D'ailleurs, en parlant de live, il risque pas d'y en avoir avant très longtemps, je suis désolé. Les... Non, c'est vrai que c'est une quête de PNJ, ça, on s'en prend. Toi, viens ici. Voilà, des boules de riz, ça nous revient. Bref, donc, moi, je veux faire ça là. Partner in crime fighting. Ok. Comment je fais pour savoir sa base? Là, je dois bien avouer que je suis un peu en mode nani. Je ne suis pas... Base astéroïde. Oh, c'est quoi ça? Non, rien, d'accord. Il y a un truc là. Ah non, c'est la planète, d'accord. Je redécouvre un peu Starbound. Mais ouais, faut qu'on trouve des astéroïdes.
Écoutez, vu que je suis stupide, vu que je suis stupide, on va, je sais pas. Il y a aucune information. In Roger Sworn. Peacekeeper Station in Rejor Sworn. Oh! Oh bah voilà, c'était facile. Ça c'est quoi? Aucune idée. Bref, c'était facile. Ha! Trop facile. Fusil à pompe. Oh, on est arrivé. C'est rapide. Ok, maintenant faut trouver sa base astéroïde dans l'espace. Je pense que c'est ça, étrangement. On a une station spatiale. Médical de recherche et on a un gentil vaisseau. Maf. On s'en fout. Allez. On y va. On y va. Et il n'y a pas de musique, c'est triste. On y va. On prend le méca. Et on va casser des culs. Yeah! Alors, si vous regardez exclusivement les vidéos Starband, que vous venez de voir toute la série à la suite. Sachez juste qu'il y a des lives aussi à voir, ceux qui expliquent l'évolution du robot. Oh, une cutscene. Voilà. Oh, tu tiens un manipulateur de matière, n'est-ce pas? Est-il à toi? Eh ben, si c'est pas mon jour de chance. Un des tiens a réussi à s'enfuir. Mon nom, c'est le Capitaine Noble. Et je pense que toi et moi, on va accomplir de grandes choses. Putain, ma traduction anglaise est vraiment dégueulasse. Laisse-moi étaler les faits. Assieds-toi, partenaire. Ah putain, il y a une nouvelle histoire qui démarre et tout, c'est trop bien. Quand le protectorat s'est formé, c'était pour avoir la paix, faire des câlins, tout ça, c'était un bon objectif. Ah, je peux le tenter. De Terran Peacemaker. Une équipe silencieuse de détectives. Putain, mais arrête de défiler, j'arrive pas à tout lire. Le texte va trop vite, même pour lire, ça va trop vite. Donc en gros, donc il vient nous faire l'histoire un peu de la mise à jour en mode oui alors nous sommes des peacemakers, donc des faiseurs de paix, gros des voilà des justiciers, si on peut dire comme ça. C'est pas tout à fait la vraie traduction, mais en gros c'est ça. Enfin à la base c'était plus un ordre intergalactique de voilà de police de l'espace si on veut. Et ça s'est formé à peu près en même temps que le protectorat, donc dans lequel le début du jeu se passe, qui est détruit ensuite par la ruine. Il a dit quoi d'autre? Et il a dit que maintenant que la Terre est partie, parce que leur but à base c'était de mettre la paix, d'où le nom Peacemaker, de faire la paix avec dans le monde. Mais maintenant que la Terre est partie avec leur base principale et ainsi que genre 90% et plus de la population, dont la police, il ne reste plus que lui et moi qui le rejoins. Mais moi, techniquement, je ne suis pas un policier, je suis un ça. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il a dit, je crois. Si vous avez, voilà. Après, si vous avez compris d'autres choses, peut-être que je suis teubé, mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Et donc, il nous demande de faire la. Il va certainement demander de faire le taf à sa place. Yes! Bienvenue à la nouvelle station de la des faiseurs de paix. Ok, donc c'est ça. On doit regarder le capitaine ignoble, sachant que lui s'appelle capitaine noble. Voilà, donc t'enlèves le I et le G, c'est un méchant. On a reçu pas une astuce, un type, c'est plus une info, une intel. Un intel.
je sais pas trop comment ça se dit. Bref, qu'il devrait y avoir des qu'il devrait y avoir des informations à là, à Underwood 31. Ça, on devrait commencer notre enquête là-bas. Ok. C'est tout, partenaire? Oh, le robot, il a disparu quand on s'est TP. C'est trop bien, ça. D'accord. Je commence déjà à avoir faim. Le chocolat, il a vraiment pas fait effet du tout. Ensuite, je vais là. Location. Ah, bah, ça va. C'est pas bien loin. Par contre, j'ai peur de manquer d'essence. Ah, bah, voilà. On a plus de fuel. Plus rien. Adèche. On est arrivé? Ok, bah écoutez, là il y a des lunes à ce que je vois. Yes. Faut que j'aille sur lequel le 1. C'est le 1, c'est le plus proche du soleil. Il y a une station spatiale aussi. Trade d'armes. Ok. Bah écoutez, je vais aller récolter un peu de fuel. Dommage. Et faire les quelques quêtes secondaires, les quelques trucs secondaires qu'il y a dans le système solaire, tant qu'à être là, c'est-à-dire visiter la station et le vaisseau. Et on se retrouve quand j'atterris sur la planète du désert à la recherche d'informations. A tout de suite. Et c'est parti, nous allons maintenant rejoindre la planète. J'ai récupéré plein de fuel. Voilà à peu près ce que j'ai récupéré en une run sur la Lune. Voilà, ça suffit un peu, ça me fait un peu, ça me fait 104 de rab. Hop, on va aller sur cette planète. Donc j'ai dit, on va aller sur cette planète. Alors, je suis allé dans le vaisseau, il y avait que dalle. Et je viens de voir un autre vaisseau qui vient d'arriver dans le système solaire. La station spatiale, j'ai encore le temps, mais je... c'est quoi comme système solaire? Ouais, c'est un standard. C'est une étoile standard. Donc on va pas trouver non plus trop d'armes intéressantes, à mon plus grand regret. C'est pas grave. Allons voir. Voilà. Si pour être n'importe où sur la planète, sur cette planète, et même en souterrain, explore la planète jusqu'à que tu trouves. J'ai pas eu le temps de lire. En tout cas, le jeu a l'air de mieux se porter. Alors après, peut-être que comme j'ai changé de système d'enregistrement, ah, on a la cible. On a la signature de la cible. Ouais, non, mais voilà, 5,4, c'est que dalle. On va voir mes armes, un peu ce qu'elles vaut. 20, oui, mais ça, c'est un fusil à pompe. Ça, c'est mon lance-roquette. 5 tout court. Ok, bref, il est sous terre. Donc, ça va. Les quêtes se font pas trop lentement non plus. Elles sont pas grindy as fuck. Après, on va voir ce que ça vaut dans le long terme. Là, il y a de la lumière. Je dois l'interroger, je dois pas le buter. Allez, vas-y. Ah, le bâtard, il s'est enfui. Vite, prenons des informations. Ah, il est sur la planète 4. Et ça, le papier, il disait quoi? 4. D'accord. On a toujours pas fait le live où on devait lire un peu tous les livres pour le codex. C'est vrai que quand j'y pense, on l'a pas fait. Non, je suis trop bas pour utiliser la technique. Quoique. Ah non, ça va. Allez, hop, on se barre. Ok, donc c'est comme ça. C'est pas vraiment de la ch chasseur de primes, c'est plus vraiment la police. Yes, du coup, j'ai envie de récupérer avec moi un gars, mais ils sont tous nuls. En vrai, ils sont tous nuls. Bref, changeons de planète. L'avantage, c'est qu'il est pas parti bien loin, il est juste allé sur la planète numéro 4. C'est... Ah bah tiens. Là où j'ai eu le vaisseau amical. Il n'y avait pas grand chose hein, dedans, je vous rassure, il y avait juste 2-3 bouts de métaux. Voilà, ça, c'est 2-3 bouts de métaux.
pas très très passionnant. Putain, mais va sur la planète là, arrête d'en avoir quelque chose à foutre. C'est chiant qu'on puisse pas se mettre autour d'une orbite directe. Mais je l'ai fait ça, je l'ai trouvé mes indices. Il est cassé le. Elle est cassée la raquette. Bon, je sais pas. Par contre, allô? Alors, je tiens à signaler hein, que j'ai fait genre ça de distance, encore de manière plus lente, que j'ai traversé tout le système solaire, sous l'air, oui, ou tout l'univers pour arriver là. En fait, ça fait plaisir de rejouer à Starbound. Franchement, je suis content de rejouer. C'est cool qu'ils aient sorti une mise à jour peu après mon let's play. Comme ça, on a pu y rejouer sans vraiment trop de temps d'écart entre les deux jeux. Déjà, j'ai faim. Entre les derniers épisodes et maintenant. Parce que quand j'y pense, le dernier épisode, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Bon, par contre, ils disent qu'il habite sur cette planète, mais si j'ai pas d'indice de savoir où qu'il est. Aïe. Alors oui, j'avais merdé, il fallait venir scanner pour des clous. Maintenant, voilà, il manquait en fait ça là, cette espèce d'empreinte, elle était verte, il fallait la scanner pour être sûr que c'était bien Captain Ignoble. Et maintenant, on peut aller sur la planète d'où je viens. Et devinez quoi? J'ai fait le tour de la planète. Putain. Bon, on va bien voir comment ça va évoluer maintenant. Tout va bien, la voiture est en feu. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien, cette voiture va très bien. C'est pas vrai, ça va pas exploser. Je ne sais pas quand, je n'ai pas de barre de vie. Mais elle va bien, regardez, tant que ça roule, c'est que ça va bien. C'est la règle numéro 1 de toute forme de vie. Tant que ça roule, ça va bien. Ça ne va pas exploser, ça s'est arrêté. Mais c'est parce que le jeu lag, c'est tout. Voilà, la voiture redémarre, vous voyez. La voiture va très bien. Le jeu il s'arrête, mais la voiture elle continue de rouler, c'est parfait. Faites pas attention aux chiffres rouges qui s'affichent quand elle prend un coup, c'est normal. Quelle voiture n'a pas de chiffres rouges? Oh, elle est cassée. Bon, eh ben elle va falloir faire à pied. Alors je sais que c'est un petit peu hors sujet avec le thème de l'épisode qui consiste à faire des chasseurs de primes. Mais je viens quand même de trouver deux portes spatiales à côté. Alors certes, ce sont des portes spatiales de bas niveau à cause du système solaire qui est pourri, mais c'est quand même stylé. Allez, on va les faire, ça va être le feu, ça va être le fun, ça va être une petite pause dans la recherche de criminels. Pour savoir, pour à peu près vous mettre à jour sur où j'en suis dans la recherche de criminels. Bah, j'ai fait le tour de la planète et je l'ai pas trouvé, donc je sais pas où il est. Waouh. En fait, ils sont plus faciles à faire maintenant que le jeu il lag pas du cul à cause de Fraps. Comme j'ai changé de logiciel, hop, on le rappelle. Pour récupérer ce coffre, ça va être de la merde. Oh, quoi que. Ça, c'est bien un manipulateur module, il m'en faut. Dude. Ah. Aise. Doigt dans le nez. Et c'est bien parce qu'on en a un deuxième. J'ai peut-être un petit peu mal au genou quand même. Ça c'est de la race. Ah on voit. Ah putain. Oh. On l'a capté. Il est à proximité, ça fait pas partie du plan. Eh ben dis donc, tout s'enchaîne, à quoi. Quand c'est qu'il a parlé, le gars? Faudrait que je regarde le record pour savoir quand c'est qu'il a parlé exactement, parce que j'étais même pas au courant qu'il avait parlé, ce bâtard. Moi, je voulais juste aller dans l'espace. Et je vais y retourner. Moi, je veux pas rien, moi j'y retourne. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois comme épreuve? Déjà, ça c'est suspect, ça.
Ah mais d'accord, c'est parce qu'on peut se briser les genoux. Hop, un petit poulet, un petit steak et une boule de riz. Je sais pas ce que c'est le but de tomber dans l'huile. Mais bon. J'ai l'habitude de jouer à Terraria, c'est abusé à cause de vous là. J'appuie sur A pour utiliser le grappin, mais déjà j'ai pas de grappin, j'ai des cordes. Mais voilà, c'est votre faute. Vous voulez toujours que je joue à Terraria, maintenant regardez-moi. Complètement à la ramasse. Ah non! M'en fous, j'avais réussi. Waouh, regardez, j'ai eu plein de trucs. Mais il n'y a pas de salle secrète? Toujours une salle secrète dans ces trucs. Je l'ai raté, c'est pas possible. Oh, il y a des trucs là-haut. Moi, je veux aller là-haut. Où on va là-haut? Attendez, moi je suis en mode curieux là. À moins que ça soit une autre salle, mais ça a pas l'air. Non, il n'y a pas de cachette ou de passage secret. Peut-être là. Ça m'étonnerait. Non. Non mais c'est la surface. J'ai pas vu qu'il y avait encore du mur, je me disais il y a une salle secrète, mais non pas du tout en fait. Ok, ben on se barre. Cool! On va capturer le criminel! Bande de criminels! On va s'éclater, allez c'est parti! Un fossile! Attendez. Petite ellipse, je récupère ce fossile. Si vous voulez savoir comment on joue au fossile, allez regarder mes lives la nuit au musée. Et tous les autres qui ont à peu près un nom en rapport avec le musée. Et on se retrouve tout de suite. Oui, donc désolé, j'ai oublié de reprendre après avoir récupéré le fossile. Mais il semblerait que bah, c'est bon, j'ai récupéré le fossile. Donc tout va bien. C'est peut-être un fossile que j'ai jamais eu. Donc, en fait, l'avantage de chercher les criminels en souterrain, c'est que je peux aussi croiser des fossiles. Et comme ça, je peux petit à petit compléter ma collection de fossiles. Donc au final, on est win-win. Moi, je vous fais de nouvelles vidéos. Et en plus, je complète ma collection de fossiles petit à petit. Que je ne complète pas en live parce qu'il n'y a plus de live sur Starband premièrement, mais si on devait faire un live final sur la lecture de livres, sur le remplissage du codex. Ah, je me rapproche, la flèche elle se baisse quand j'avance par là. Je suis très proche. Hop, attendez, l'eau me dérange, merci. C'est quand même bien de pouvoir récupérer l'eau comme ça. Aouh! Oh non, il me fait mal. Ah, du poison! C'est pas gentil ça. Connard. Ah merde! J'ai été attrapé, j'ai pas eu le temps de tout lire. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. J'arrive pas à lire ce qu'ils disent. Cranberry, je peux pas le croire, partenaire. Tu as mis à mal le méchant Capitaine Ignoble. Reviens à la base. L'univers est vaste. Mais le bras de la justice est long. Reviens à la base pour récupérer ton prix. Alors oui, à ce sujet, ça me paraît compliqué vu que je suis 4000 km sous terre. En vrai, je vais pas mentir, mais le poison m'a fait mal. Bon, bah hop, on va faire une ellipse le temps que je remonte là-haut. Si je trouve des fossiles, bien entendu, je les récupère. Je vous montrerai pas, je pense, ou alors vite fait, enfin voilà. Sur ce, à tout de suite. Eh bien, il semblerait qu'on soit chanceux aujourd'hui. Je trouve plein de choses, décidément, une porte au challenge. Allez, par contre, le jeu lag. Il commence à laguer. C'est quand ça partait? Oh putain, une grave. Ça partait bien.
Eh ben écoutez, on va se faire ce petit challenge et puis on va aller à la vider mon stuff parce que voilà, mon stuff actuellement. Et puis on ira à la base. Allez, sur ce, cette fois, c'est la bonne. Normalement, prochaine. Bon allez, je vous montre quand même le terrain. Parce que sinon, c'est pas marrant. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ta-ta-ta-ta, speedrun, speedrun, speedrun. Hop, hop. Raté, c'est pas grave, on s'en branle. Quel échec. Ah bah voilà, problème réglé. Ah, speedrun n'était pas la bonne solution. Allez, sur ce, je vais me débarrasser de tout stuff et on se retrouve devant le capitaine. Et je profite d'être ici pour aller donner à l'autre collectionneur de races l'item qu'il m'a demandé. Tiens, cadeau. Qu'est-ce qu'il me demande cette fois? Armed Display Armor. From the glitch. Ok, ben on fera ça la prochaine fois qu'on ira sur une planète avec des glitches. Je ne sais pas quand ça se fera, mais étant donné qu'on va arpenter l'univers à la recherche de criminels, ah, c'est possible qu'on tombe dessus. En vrai, c'est bien, ça va permettre de réexplorer un peu le jeu. Deux. J'ai déjà le 2, non? Ouais. Bref, sur ce, on va aller voir l'autre bâtard. Ah merde. Mon dieu, c'est horrible. Ça veut dire que si je savais pas que c'était... C'était pas par là? Je sais pas. Ah merde, attends. Ah. Ok. Bah je vais y aller. Voilà. Ok, c'est cool, on a quand même l'option pour y accéder rapidement. C'est pour ça que cet emblème me semblait inconnu à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire quand j'ai lancé le jeu tout à l'heure. C'est parce que c'est l'emblème des Peacemakers. Je suis arrivé ou c'est... Ouais, non, ça va, ça m'amène là-bas automatiquement. C'est plutôt pratique. Hop, on va ranger un petit peu les minerais, ça va vider un peu l'inventaire. C'est bon, j'ai plus de minerais ici, j'ai encore ça. Hop, ensuite ici, toutes les ressources secondaires. Hop, 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 hop. Voilà, je trie un peu le stuff devant vous pour voir un peu ce que ça fait longtemps. Et... On va voir le capitaine, on va régler ce problème et je pense qu'on va mettre fin à l'épisode. Personnellement, niveau tournage, je pense qu'on a atteint le bon moment. Suffisamment de temps. Capitaine! Oh! Ok, et maintenant on a ça qui apparaît. Stylé as fuck. Il y a un moment de son. Ok, et eh ben écoutez, c'est un truc qu'on va faire en épisode, sur plusieurs épisodes. Je sais pas si l'émission change ou si ça va être vite répétitif, si c'est infini. Mais franchement, j'aime bien. Donc sur ce, on va mettre fin à l'épisode ici. Hop. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, fin d'épisode. Allez, au revoir, hein. Mettre fin à l'épisode ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et voilà, et j'ai envie de dire, allez sur Géroté, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur Isaac, bien sûr. Toujours à parler d'Isaac sur cette chaîne, c'est fou ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao bye, bise.